J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 6 ans, dans le club de mon grand-père. En fait, ma mère y travaille. Et depuis toute petite, je baigne dans le club. Le fait de crier, de se dépenser, j'avais beaucoup d'énergie. J'ai tout de suite aimé le taekwondo. J'aime bien m'entraîner avec des garçons parce que c'est vraiment un style qui me ressemble. Parce qu'on me dit souvent que j'ai un style assez de garçon parce que je suis en appel et je frappe direct. Je suis un peu une rageuse, donc quand je frappe, j'ai l'intention de frapper fort. Je pense que pour les qualités physiques, il faut être assez souple, il faut aussi être explosif et il faut savoir aussi utiliser la tactique parce que c'est quand même un sport où il faut réfléchir. Comme on est contre un adversaire, il faut savoir anticiper ses coups ou l'amener à faire certaines techniques pour préparer nos contres ou nos attaques. Le cri, ça s'appelle le kiap. Le kiap, je sais pas, j'ai entendu de nombreuses théories. C'est pour que les arbitres mettent les points avant quand c'était pas électronique ou pour lâcher l'énergie. Donc je sais pas. Moi, je crie parce que j'aime bien crier. On est tout le temps en mouvement, on sautille constamment, on fait ce qu'on appelle des appels. C'est pour déclencher l'autre et camoufler un peu nos attaques ou nos contres. Je travaille en alternance dans le service RH, dans une banque. Je fais mes études donc en alternance. J'essaye de valider ma licence cette année et je suis sportive de haut niveau. Ça fait beaucoup de choses à gérer, mais j'aime bien être au plus haut niveau dans tout ce que je fais.